Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok. Comme d'habitude, un petit truc à boire et à manger, on se retrouve une bonne demi-heure ensemble, évidemment. Éteignez les lumières. Et un casque ou des écouteurs, c'est toujours plus sympa de suivre cette aventure dans alors, des conditions pareilles. A-t-on parlé de ton fils qui se change en ours? Oui, dis-nous. Pas maintenant. Nous devons réparer le symbole de protection et rentrer. Qu'est-il arrivé au symbole de protection? C'est toi. Alors c'est ma faute? Ce n'est pas ce que j'ai dit, Atreus. Non, mais c'est ce que dit ta voix. Oh, mais connard, tu demandes qu'est-ce qui est arrivé? Bah c'est toi, tu l'as cassé, c'est pas grave. Merde, Atreus, recommence pas, il est débile. Utilisez carré pour demander un compagnon. Maintenant. Allez, fonce. Nista. Voilà. Ça va, il part sur l'enfer. Ok. Ok, bien wesh. Bien joué mon traître. Hop, des vrais chassés dans ta merde. Écarte-toi, Trim, c'est pas beau à voir. Bon. Ok. Alors okay. Petit, hormis ton don pour les langues et le fait que tu lises dans les pensées des créatures, as-tu développé d'autres pouvoirs magiques? Pas vraiment. Et pour Fenrir? Quoi, Fenrir? Quand il est mort, tu as jeté un sort. Non, je n'ai rien fait. Mais j'ai vu une lumière. Je ne vois pas de quoi tu parles. Un coup de Fimbulwetter, peut-être. Je connais ça. Okay. Il dit n'avoir rien jeté, c'est inquiétant. Alors, normalement, vous ressentez beaucoup plus le 60 FPS comme horizon. J'ai privilégié, évidemment, la fluidité, histoire de kiffer à fond. Et c'est ce qu'on va faire, évidemment. Ok, bien joué. Et dire que la PS4 faisait tourner God of War 1, putain, c'est encore incroyable parce que le jeu est fou. Ça y est, je sais où nous sommes. Ah, j'ai même plus ma hache. Incroyable. J'ai même plus ma hache, mais quand est-ce que je l'ai perdu? D'où vient ce sang? De toi, Atreus. Sérieusement? De toi, décidément, ou de la proie que tu traînais, je suppose. Je ne sais pas si je trouve ça rassurant. Décidément, beaucoup de choses viennent de toi, mon attraitré, hein. Ok. Celui-là. Je voulais pas. Qu'importe les intentions, seul compte le résultat. Que pouvons-nous faire? Rien. La nature fera son œuvre. C'est la vie qu'on mérite de vivre, mon cher Atreus. La tempête approche. Il fait assez froid comme ça. La maison est proche. Putain, je suis mort, il soulève ça comme du polystyrène. Ok. Maraudeur, flanc gauche. Nista. Hop, ça s'est renvoyé. Mort. Projectile au-dessus. Ok. Vas-y, envoie-moi un projectile, bibiche.
Et merde. D'autres maraudeurs, sur ta gauche. Hop, soulevage en règle, atterrissage, re-soulevage en règle, réatterrissage. Derrière toi, regarde. Ok. Attends. Oh là là, cette esquive. Tiens, hop, je t'éclate la gueule, hop, voilà. Je t'éclate même la moitié du corps. Allez, et toi, Bibi, vas-y, envoie-moi un truc, tiens. Hop, okay. Allez, Atreus, envoie la sauce. Voilà, ça dégage. Merci, au revoir. Ils sont nombreux. Ça a été comme ça toute la nuit. Ils devaient être à l'intérieur quand j'ai refait le symbole. Ok. Vous savez que ça m'a fait mal au cœur, hein, la scène avec, avec le loup qui meurt. Hein. Vraiment, hein, j'étais pas bien. Hein. On en est où? Hé, hey, Svana. N'aie pas peur. Atreus! Je voulais juste voir... Oli! Oui, père. Ok. Il se passe quoi, là? J'entends une musique gros son. C'est bizarre. Cette soirée était un peu trop agitée, à mon goût. Quoique, je dois avouer que cela m'a rappelé le bon vieux temps. Naviguant tous les trois dans des bois jusqu'alors parfaitement inconnus. Ça fait longtemps que tu nous as pas accompagnés. C'est vrai. Ah, non, je fatigue, certainement. Qui a chassé un cerf les a tous chassés. Comment peux-tu fatiguer si tu ne dors jamais? Il y a toutes sortes de fatigues, petit. Tu le verras en vieillissant. Oh. Qu'est-ce qui se passe, Bichette? Reposez-vous, mes frères. On voit toujours les choses sous un meilleur angle quand il fait jour. On repart rêver, là ? On va encore prendre plein la gueule. C'était quoi ? Ton arc ! Oh putain, on reprend où ça a fini, God of War 1. Exactement où ça a fini. C'est vrai que vous voyez pas Atreus, bordel. Let's go. Qui es-tu? Je peux entrer? J'ai à boire. Tu ne me trouverais pas de bonne compagnie. Oh. Je suis sûr qu'on a beaucoup à se dire.
le dire avant que je serve. Que fais-tu là? Moi, je suis venu par courtoisie. Tu sembles être quelqu'un de calme et de raisonnable. C'est le cas. Tu es une personne calme et raisonnable. Quand la situation l'exige, je sais être calme. Je crois que le moment est bien choisi. Ouais. Tu sais qui je suis. Avant l'arrivée de l'hiver, il y a eu des malentendus. Plutôt regrettables. Mais je crois qu'on a tous une idée plus précise de ce qui se passe. Bon, ce que tu as fait à ces fils... légitime défense. La mort est ce à quoi les As aspirent. Et soyons honnêtes, ils n'étaient vraiment bons à rien. Mais Baldur, lui, il avait de la valeur. C'était mon meilleur pisteur, mon atout. Certes, il était complètement fou. Mais il m'était utile et je l'ai perdu à cause de toi. Est-ce que tu me suis? Tu as une dette. Tout ça ne m'amuse plus. Qu'est-ce que tu veux? La paix, ça te tente? Qu'en pense donc notre vénérable dieu de la guerre repenti, si on ne s'entretuait pas pour changer? Tu restes à la maison, bien sagement, et tu arrêtes de me chercher querelle. J'en ferai autant de mon côté. Bien sûr, il faut que celui-ci renonce à ses recherches pour retrouver Tyr. Oui. Nous savons ce que tu mijotes, alors arrête. L'époque de Tyr est révolue. Il est mort. J'ai compris? Et puis nous serons quittes. Je vais même ajouter un bonus. Je te laisse garder le prisonnier. Celui que tu m'as subtilisé. Eh oui, je sais que tu n'es pas loin. Tu te planques, espèce de sale petite raclure baveuse. Nous sommes censés te croire sur parole? As-tu jamais tenu une seule promesse? Le voilà, mon vieux complice d'autrefois. Où ce qu'il en reste? S'il te dit que la neige est blanche, il te ment! C'est quoi ces inepties? La tête la plus intelligente du monde ne voit donc pas plus loin que le bout de son nez? Ne comprend-elle pas que l'on cherche la même chose? Voilà une offre que tu ne sauras pas refuser. Je règle ta dette envers mon ancienne compagne. Ainsi, je te débarrasse de Freya, et comme cela, ta progéniture est protégée. C'est bien ce que tu veux, n'est-ce pas? Alors, qu'en penses-tu? Ne traîne pas trop. Ah.
Enfin. J'attendais ce moment. Tu n'es pas d'ici. Nous avons une tradition appelée les têtes de sang. Ça veut dire que je prends une part de toi pour ce que tu as pris à ma famille. Sois-y-la. Oh les gars, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Ça, c'était pour battre. Maintenant, montre-moi ce tueur de dieu dont on m'attend parler. Tu m'insultes en te retenant de la sorte. Je ne voulais pas de ce combat avec ton frère. Ce n'est pas mon problème. Ok. Oh non, comment as-tu pu devenir dieu de la guerre? Attends, j'arrive en mode rage, mon ref. Ok, pas mal. Sans pression. Hop. Des vraies patates de cow-boy. Connais mon passé. L'histoire du fantôme de Sparte. Alors tu sais ce dont je suis capable. Montre-moi. Oh quoi? Enfin un peu d'action. J'ai eu peur. Ok. Ok. Je suis incroyable là. Ok, je suis vraiment incroyable là. Bon, là je suis moins incroyable. Ok. Allez, j'étais fou. Ça, c'est pour m'amener. Désolé pour ta statue, Tyr. Vieux moralisé. Ok, round 2. Rien de tel que d'attaquer son adversaire dans le dos. Pas vrai? Bien joué. Bien. Bien joué. Ok. Ok. Ok, je suis foutu. Ok. Je suis mort dans le film. Serais-tu à la chance? Oh putain. Ah, one petit marteau. Brutti. Tu crois qu'il suffit de t'installer ici et de devenir père pour prendre un nouveau départ? Ça ne marche pas comme ça. Tu es un destructeur comme moi. Quoi? Non. Non. Je décide quand c'est fini. Je ne partirai pas avant d'avoir vu qui tu es vraiment. Okay. J'avais donc bien réussi. Debout! C'est un gars sympa, hein? Comment t'es censé éclater ça? Comment t'es censé éclater ça, mon pote? Ok. 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 Là, je suis méga chaud là. Ok. Je suis beaucoup trop chaud. Allez, let's go.
Ça, c'est pour maudit. Même dans la mort, tu le gardes pour la fin. Qu'est-ce que tu as dit? Maudit est venu à nous parce qu'il te craignait. Il est mort des blessures que tu lui as infligées. Oh, écoutez un peu le papa moderne. Ça semble familier. Quoi? Peu importe. Je ne suis pas venu pour que tu me dises comment il fait mes enfants. Je veux voir le dieu de la guerre. Ok. Pour l'instant, on s'en sort pas mal. On s'en sort moins. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est moins bien. Mais ça ne suffira pas. Lâche. Bien wesh. T'as peur de salir les mains? Ok. Ok. On va la faire à l'ancienne. Let's go! Olé, olé, olé! C'est tout! On commençait enfin cette... Je vois pourquoi mes fils sont perdus! Même si... tu n'es plus celui que tu étais. Mais moi, je ne suis pas comme eux. Quant à ton fils... le père de toi a des projets pour lui. Le voilà. Voilà le dieu de la guerre. Tu viens de payer ta dette de sang. On se reverra. Je t'avais dit qu'il s'en sortirait. Kratos, c'est Sindri et Brock. Tu parles d'un combat? Peut-on... Chez moi, vite! Odin est avec Atreus. Oh non. Dette de sang. Je prépare vite un accès mystique. Oh, c'était incroyable. Viens. C'est pas très loin. C'était incroyable ce combat, les gars, et putain. Content de voir que tu fais les... Quel épisode 2! Waouh! Que tu penses de Mjolnir? Tu sais qu'on a fait ce marteau, non? Tu l'as mentionné. Oui, je sais. Mais j'étais pas sûr que t'avais écouté. En tout cas, la hache lui a tenu tête. Et c'était le... Ah, il a frisé un éclair, en fait. Ok, trop bien. C'est ok. Prêt. Il te mènera chez toi. Bon, on viendra acheter, hein. C'était le vendeur. Let's go! Oh, quel épisode 2! Quel épisode 2! Encore une chose, Gragalé. Si les As t'ont rendu visite, c'est que ton symbole de protection doit être foutu. Une fois que t'auras chassé Odin, y a un endroit où tu peux aller te vider la tête. Et je parle pas de celle qui papote tout le temps. Je n'abandonnerai pas ma maison. Ah ouais? Et qu'est-ce qui empêchera le vieux corbeau de venir tes pieds? Ou de réduire ta maison en miettes pendant que tu roupilles? Que dalle, je te le dis! Va chercher ton fiston. Moi, je m'occupe de convaincre une certaine personne de vous héberger au besoin. Ok. Let's go. Alors... j'espère qu'il n'y a pas eu trop de casse.
Mon frère! Je vais partir à ta recherche. Tu es blessé. Et toi? Que voulait-il? Il voulait payer pour le toit. Et... il m'a invité à Asgard. Vraiment? Je n'entendais plus rien quand tu es sorti. Je lui ai dit non. Évidemment. Bien. Pourquoi voulais-tu voir Tyr? Si je t'avais dit que je voulais le trouver, tu m'aurais pas laissé faire. Tu m'as menti délibérément. À moi. J'aurais aimé te le dire. Tu dois me croire, mais... maintenant que t'es au courant, il faut que tu vois quelque chose. Non. Fais-moi confiance, il faut que... Confiance! Je ne peux plus te faire confiance. Mets-moi à l'épreuve dans ce cas. Laisse-moi te montrer ce que j'ai trouvé. Et en plus, nous ne sommes pas débarrassés d'Odin. Ni de Thor. Et à l'évidence, ils peuvent arriver à tout moment pour détruire notre maison. Nous n'avons qu'un moyen d'en finir avec eux. Et je crois savoir lequel. Père. Let's go! Les lames du chaos! Prends tes affaires. L'armure et l'équipement améliorent les stats comme la défense, etc, etc. Hein, pour afficher la protection du torse, ok. Oh, j'ai déjà des trucs qui montent bien. On va prendre cette petite cuirasse. Peu chère, bonne mère. Et attends, si je mets ça, ça m'équipe automatiquement. Donc à la limite, c'est pas bien grave, c'est toujours la même chose, très bien. Ok. L2, niveau arme. Oh putain, ben, là, les menus, ils ont l'air d'un compliqué. Sélectionner accessoires. Très bien. Améliore la force de plus 2. J'aime bien. Apprenez-en davantage avec les stats. Vitalité, pouvoir runique. Et tutti quanti. Ok. L'âme du chaos peut-être. Je ne sais pas. Non, malheureusement elles sont de niveau 1 et déjà équipées. Et la rage, c'est déjà fait. Bon, alors pour l'instant... Ok, XP de Kratos. D'accord. J'ai compris comment améliorer certaines choses. Il va falloir un peu de temps, mais on va y arriver petit à petit. C'est pas sorcier. Es-tu prêt? Va. Monnaie. Ok. Très très bien. Suivre Atreus. Okay. Où nous emmènes-tu? Au vieux temple dans Fauvebois. Pourquoi? Ce sera plus simple à expliquer sur place. Odin a-t-il dit autre chose quand vous étiez dehors? Oui. Il a dit que Jotunheim ne l'intéressait plus. Que les géants pouvaient garder leurs secrets. Car il avait réussi à éviter le Ragnarok. Tu crois qu'il sait que tous les géants sont morts? Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il semble ne pas s'en soucier. Qu'est-ce qu'il met, genre? Ok. Très bien, ça. Que s'est-il passé ici? Si près de chez nous. Les maraudeurs s'affrontent entre eux, maintenant? Ce ne sont pas leurs flèches. Il y a quelque chose d'autre. Oh.
donc. Hop, il y en a d'autres jamais. Ici. C'est récent. Sont-ils tous entrés quand le symbole était brisé? Oui. Ou Odin a rompu le sort de protection lui-même. Ok. Le pont n'est plus très loin. Ah, le pont a dû céder. Il faut trouver un autre chemin pour accéder au temple. Qu'est-ce qui t'a pris de venir ici tout seul, petit? Qui fait tes rêves? Qui m'appelait ici? Ah oui, il soulève les bûchers et tout. Wow. Celui-là est vivant. Non. Regarde bien. Des maraudeurs de haine. Qui fait ça? Ce serait sans doute naïf de croire que l'ennemi de notre ennemi est notre ami. Oui, probablement. Oh non, on lui met vraiment sa part là? Le skin? Sérieusement, qui pendrait des maraudeurs comme ça? Ok. Tout XP est bon à prendre. Donc on prend. Attends. Oh, ça alors, mon frère, c'était quoi? Quelque chose de fort et dangereux. Ça alors, sois mon frère. Gardes. Ça oui, on ne peut plus sur mes gardes. C'était très drôle. Quoi que ce soit. Bon les gars, je vous fais parce que j'ai besoin de thunas. Ok. Désolé, pas désolé. Très bien. J'essaye de voir toutes les touches à peu près où elles mènent. Très bien. Ah, la carte c'est ça, superbe. Donc c'est l'autre côté du pont. On a trouvé la carte, c'est déjà bien. Hop. Eh bien mon Atreus. On va aller où? On va aller prendre ça. Et on va s'arrêter. Putain, j'ai... Derrière toi, ok. Ok. Donc comme je disais, on va s'arrêter au prochain checkpoint qui se passera juste derrière ça, je pense. Moyen que ça finisse sur une belle cinématique. Tu te souviens quand j'ai dit qu'il y avait quelqu'un qui pourrait nous donner des réponses sur les géants et Loki? Tu parlais de Tyr, l'ancien dieu de la guerre de ce pays, qui est mort. Eh bien, pour un mort, Odin m'a semblé vraiment désireux de le cacher. Oui, il sait que Tyr peut unir les royaumes contre lui. Et puis, Tyr était le plus grand allié des géants, donc... Assez. On va s'arrêter là, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. On se retrouve évidemment pour l'épisode 3. J'espère que vous êtes impatients. Bisous tout le monde. Bye bye.